On a eu cette débat sur le modèle économique qui nous a porté pas seulement une crise économique de dimensions importantes, mais aussi la croissance des inégalités dans des pays développés et aussi dans les pays en développement. Nous savons maintenant dans la OCDE que les inégalités des revenus sont au niveau le plus élevé depuis 20 ans et les revenus moyens des 20% les plus riches est environ 6 fois supérieur à celui des 20% les plus pauvres comparé à 5 fois dans 2005. Et on sait aussi que le manque d'opportunités économiques nous donne aussi le manque des opportunités d'avoir de l'éducation de qualité, de santé de qualité, d'emploi de qualité. Et donc, on devient dans une situation dans laquelle la mobilité sociale est en panne, comme on dit dans la publication qu'on a présentée il y a 2 semaines. Nous devons donner priorité pas au PIB, mais au bien-être de nos populations. La réponse que l'OCDE a donnée est de changer les discours sur la croissance, de placer les personnes et leur bien-être au centre des politiques publiques, et comme je dis, à considérer l'équité ex ante plutôt qu'ex post, d'avoir une dimension de l'État, que c'est l'État bien sûr bénéficiaire, mais aussi l'État qui donne les outils aux populations pour réaliser leur plein potentiel. Et de cibler leurs politiques sur ceux qui auront un impact meilleur dans les groupes de personnes qui sont vraiment aux bases de l'échelle sociale. Quelles sont les mesures qu'on pense peuvent nous aider à achever ça? En première place, investir dans les personnes et les lieux laissés pour compte, par exemple pour se concentrer sur les groupes défavorisés, pour assurer un accès égal à l'éducation préscolaire, aux services de santé, au marché du travail de qualité. Deuxièmement, soutenir les dynamismes économiques et les caractères inclusifs des marchés du travail, en créant les conditions nécessaires pour les travailleurs, entrepreneurs et entreprises soient productifs et innovants. Et troisième, vraiment importante, restaurer la confiance dans les gouvernements et les rendant plus efficaces et réactifs. Et c'est ça pour tous les pays, pas seulement pour les pays de l'OCDE, mais surtout pour les pays de l'OCDE qui sont les plus avancés. Il faut vraiment donner l'exemple sur ce dossier pour avoir une croissance plus soutenable et plus inclusive.